Bello, c'est Grisifut et les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de Road to Base Griezmann. Les pélos, ça fait longtemps. Voilà, vous m'avez dit que vous aimez bien cette série, que c'est une de vos séries préférées sur ma chaîne. On n'est pas là pour chipoter. Aujourd'hui, on a du lourd. On a acheté du lourd grâce au crédit que j'ai économisé. Voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'épisode parce que j'avais pas proposé de joueurs, j'avais pas acheté de nouveaux joueurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Zlatan Ibrahimovic, les gars. Ibrahimovic, voilà, Zlatan. Bon, on va pas le présenter, hein, tout le monde le connaît. J'ai décidé de mettre Grizzy en MOC pour voir ce qu'il donne tout simplement. Et franchement, je préfère en MOC qu'en BU parce qu'en BU, je trouvais qu'il avait du mal en finition. Il était pas très bien placé, à chaque fois il se faisait gérer et tout. Donc en MOC, il est largement meilleur. Donc après, c'est qu'un match, on verra bien. Et du coup, on a Lacazette, Ibrahimovic, on a une équipe très très lourdingue. Lourdingue de chez lourdingue. Je vais mettre juste Amouma sur l'aile et bah voilà, on va se retrouver pour le match. On est en div 4, donc ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like, les gars, si vous aimez cette série. Si vous voulez des nouveaux joueurs, le prochain achat, ça sera Grizzy Boost, donc il coûte à peu près 120 000 crédits sur PC. Donc j'en suis qu'à 30 000 crédits, donc c'est un peu long. Il y a de la route quand même, mais voilà. Donc n'hésitez pas à liker pour m'encourager à faire cette série, pour m'encourager à acheter Grizzy IF. Et voilà, n'hésitez pas à me proposer des joueurs comme d'habitude dans les commentaires. Ça se passe comme ça, c'est une série d'interactions. Dans les commentaires, on me conseille des joueurs, il y a une équipe avec Aubameyang comment il s'appelle déjà, Douglas Costa, donc c'est très rapide et sur-le. Et on va se retrouver pour un condensé comme d'habitude. Les gars, je vais pas le répéter 10 000 fois, le like, les commentaires, pour me donner votre avis, et on va se retrouver tout de suite pour le match, les pélos. Ibrahimovic, le tir, et bim bam boum, les gars. Le premier but, Zlatan Ibrahimovic, voilà son premier but avec mon équipe, tout simplement, parce que le match que j'ai fait d'essai, il n'a pas marqué. Faut pas laisser un espace à Ibra. Si vous laissez un espace, voilà, on connaît, pas besoin de le présenter. Le tir extérieur, voilà, lucarne opposée, c'est nickel. C'est propre, c'est clean, c'est efficace, c'est 1-0, les gars. Godze qui part seul, là. C'est de contrer. Oh, l'enfoiré. Ouh, le bon tacle chirurgical, efficace. La petite LB grecque, la casette, le lob. Oh, dommage, bien détourné. Coco, sur l'aile. Tu coco. Ntep, tu coco. La lucarne opposée encore. Avec un peu de réussite, parce que voilà, j'ai fait deux feintes de frappe qui sont revenues dans mes pieds. Par chance, j'ai envie de dire. Mais voilà, 2-0, les pélos. C'est l'adversaire, n'est pas très très folichon, j'ai envie de dire. Mais voilà, on part sur un 2-0, doublé. Pas doublé de personne parce que c'est Ntep et Ibra qui marque. On continue sur cette lancée, les pélos. Oh! Oh putain, je m'y attendais pas du tout. Le Mandanda, il s'y attendait pas du tout non plus. C'est un beau but, mais attendez, regardez-moi ce tir. Oh putain, là, il est sérieux, Mandanda? Le mec, il baisse la tête, quoi. Putain, j'ai lâché un molar. J'ai lâché un molar assez dégueulasse. Oh, Ibra! Oh, Ibra! Zlatan Ibrahimovic, les pélos. Regardez-moi cette action, c'est fou. Regardez-moi ce mec, mais il est... Mais what a man, what a man. Mais c'est fou. Mais c'est... Bah, la lucarne opposée. Mais c'est magnifique. C'est pas que le tir, c'est l'action. C'est ouf. C'est ouf, les pélos. Vous la repasserez, ou je sais pas, peut-être que je la repasserai. Le mec, normalement, il s'est pris un coup de massue dans la figure, là. Pas derrière la tête parce que j'ai pas envie de sucer les matous, tout ça. Bon, 3-1 la mi-temps. Donc on peut le dire, cette fois, un doublé d'Ibrahimovic. Voilà, Zlatan Ibrahimovic doublé avec un magnifique but. Donc qui restera dans les annales, clairement. Voilà, dans les annales de FIFA. Il est clairement magnifique, ce but. Là, on va tenter, par contre, là. Oh là là, le poteau. Mais c'est énorme, ce qu'il fait. Et boum. Putain, il va le rentrer. Oui, enfin. Triplé de Zlatan Ibrahimovic. Bidibla. Comme je disais sur FIFA 15, buddy bla. Voilà. Triplé de Zlatan. Et que de la réussite, mais bon, il avait fait un poteau juste avant. Oh, il m'a bien défi. Oh, bien joué, il m'a bien passé là. Je me suis fait prendre comme un bleu. Ah, ça, c'est mon problème. À chaque fois, je marque souvent des buts, mais je prends souvent des buts aussi. Tout seul. Bam, allez. Oh putain, il se fait gérer trop facilement, c'est ça que je vous dis. Oh. Boum. L'action de bourrin, quoi. Ça, c'est typiquement ce que je peux faire en vrai. Comment Trimoulinas, il est arrivé dans l'action, là. C'est typiquement ce que je peux faire en vrai. En mode gros bourrin, comme ça. Bam. Ça, c'est... vous voyez comment il a tiré? Bah, moi, je peux tirer comme ça, hein, clairement.
Bon, il brale ou quoi double, on n'en parle plus. On n'en parle plus clairement, parce que voilà, ils veulent la vedette à Grizzly, ça j'aime pas. Ça j'aime pas, il va y avoir une concurrence. Allez Grizzly, fais-nous quelque chose. Oui, bien joué ça. T'es tout seul. Boum. Mais non, pas la barre. Je veux que tu marques un but. Il est blessé en plus. Est-ce qu'il va... Oh putain, en plus le mec il l'ampute. Est-ce qu'on peut mettre un rouge monsieur là? Parce que c'est quand même violent ce qu'il vient de faire la Benatia là. Prends la balle. Voilà, tranquillement. Et tu... Non, tu veux pas marquer? Bon, moi, tant pis. Tant pis, bah, Grizzly, si t'as pas envie de marquer, moi je peux rien faire pour toi, hein, je peux pas t'aider. Faut qu'on... Y a la même... Voilà, on va pas finir cette phrase. Faut que les deux ils donnent la même intensité. Moi et toi, voilà Grizzly. Bon, Ibra t'a volé la vedette ce match. Au prochain, ça sera toi, j'espère. En tout cas, voilà. Ibra, il a mis son quadruplé. Tranquillement. Le petit but de Ntep qui fait plaisir. Le 5-2, le mec qui joue plus à la fin. En tout cas, j'espère que vous aurez vraiment apprécié cet épisode. Parce qu'il aurait été riche en buts. Et voilà, on aurait eu l'entrée de Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, qui nous a fait un putain de match. Ça fait 3 fois que je dis donc voilà. C'est ma spécialité. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter. De me proposer une équipe ou tout simplement conseiller des joueurs. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour un épisode très rapidement. Et portez-vous bien. Salut tout le monde!